Qu'est-ce que le goutte-à-goutte? Le goutte-à-goutte est une technique de micro-irrigation localisée. C'est-à-dire qu'elle apporte de l'eau aux racines de manière précise, à faible débit. C'est le système d'irrigation le plus efficient. Les surfaces équipées en micro-irrigation sont encore faibles, le goutte-à-goutte s'avère particulièrement adapté à certains types de cultures. On peut citer notamment la viticulture, l'horticulture, des cultures fruitières spécialisées. Le maraîchage et les cultures sous serre. Pour les grandes cultures, le goutte-à-goutte est encore à l'essai, mais il a globalement fait ses preuves. Les choix sont à arbitrer en fonction des installations de surface ou enterrées, et au niveau des niveaux du retour sur investissement. La vidéo suivante permet de bien comprendre comment est installé un réseau d'irrigation, depuis la ressource en eau jusqu'au système racinaire. Il s'agit ici d'une grande culture de maïs, mais les étapes d'installation sont valables pour toutes les cultures. Pourquoi le goutte-à-goutte? Les critères à prendre en compte, aujourd'hui, avec la hausse du coût de l'énergie et la restriction de l'usage de l'eau, le goutte-à-goutte est souvent présenté comme la solution idéale. Notamment dans les zones arides, car l'arrosage par goutte-à-goutte est moins sensible à l'évaporation que les autres techniques d'irrigation par aspersion. Cette méthode présente l'avantage de ne pas mouiller les plantes. En plus de ne pas subir le vent comme l'aspersion, le goutte-à-goutte permet une fertigation, ou fertilisation, plus efficace car localisée. Il existe différents modèles de produits, différents accessoires que nous présenterons plus bas. Pour commencer, il faut prendre en compte plusieurs critères dans le choix de la solution idéale. Le besoin en eau des plantes, la nature du sol, texture, structure, la qualité de l'eau, le dénivelé de la parcelle, la taille de la parcelle, la durée d'utilisation du matériel, les débits et pressions. Le mode d'utilisation, goutte à goutte enterré ou goutte à goutte de surface, les schémas de plantation. L'installation doit être dimensionnée en fonction de la ressource en eau et du besoin d'irrigation. Un système d'automatisation efficace est impératif afin de ne pas surirriguer et perdre un des avantages de cette technique. De plus en micro-ir. De plus en micro-irrigation, l'utilisation de sondes et autres appareils de mesure sont vivement conseillés. L'irrigation de précision prendra alors tout son sens. En goutte à goutte, il est indispensable de s'équiper de sondes tensiométriques pour contrôler l'humidité du sol. Elles permettront d'évaluer et de suivre l'efficience de l'eau. Quel matériel choisir? L'investissement dans un équipement de goutte à goutte peut être onéreux. Avant de se lancer, il convient donc de bien anticiper sa stratégie. Selon les critères présentés plus haut, nous verrons les différents équipements et techniques possibles. Nous allons donc répondre aux quatre questions les plus fréquentes au sujet de l'irrigation par goutte à goutte. Comment définir la position des rampes et des goutteurs? Il est conseillé de placer les rampes de goutteurs à 20 cm de la culture afin d'éviter l'asphyxie des racines, voire même des maladies selon les espèces. Il est possible de positionner une double rampe afin d'obtenir une meilleure homogénéité et un meilleur développement racinaire pour les arbres. Cependant, s'il n'est pas dimensionné correctement, un système double rampe peut mener à une surirrigation. Les rampes peuvent être posées au sol, en aérien, suspendues sur un palissage, ou bien enterrées. Attention également à la longueur des rampes, en fonction du diamètre du tuyau et du débit des goutteurs, des longueurs maximales sont à respecter. De plus, si la pression est trop différente entre le début et la fin de la rampe, le débit ne sera pas le même, il ne faut pas dépasser 20% d'écart. Enfin, l'espacement entre goutteurs dépendra quant à lui du type de culture. En maraîchage, il sera autour de 25 cm. En arboriculture, chez certains arbres comme le pommier ou le poirier, l'espacement ira de 50 cm à 1,00 m.